toujours tellement proche et en fait j'aime bien regarder depuis l'extérieur. Yann, il a vraiment sa particularité où sur toute la remontée, il prend jamais des stratégies extrêmes. Il reste un peu groupé au bout de la flotte pour enfin, à la dernière minute ou quand il a l'occasion d'abattre ses cartes sur le retour. Et là, ça c'est ce qui s'est passé. Alinghi, bon, bah, une très belle course d'Alinghi qui a peut-être moins bien parti par rapport au reste de la flotte, mais qui a su tirer son épingle du jeu. Et voilà, et Spindrift qui fait aussi une belle course avec une deuxième place. Donc, très belle course. Ouais, c'était top, c'était vraiment une belle régate comme prévu. Il y avait une belle brise annoncée et ça a été au rendez-vous. 3 heures de course, un petit peu plus. Je crois que j'ai jamais fait aussi vite. Et on est content parce qu'on prend un super départ. Et on a été vraiment dans le trio de tête tout au long. Harold, le vent a molli et le retour était vraiment, vraiment très sympa là où ça volait. On était à 25 nœuds de vitesse. Et voilà, c'est une course magnifique. Finir deuxième, c'est top. On voit bien qu'on est dans le rythme avec Alinghi et Real Team, quoi, c'est la bagarre. Et on a bien progressé par rapport à l'année dernière. Ces 3 heures de course avec pas mal de situations qui ont changé, qui ont évolué avec pas mal de manœuvres. Donc ça permet de se remettre un petit peu dans le bain des grandes courses. Donc voilà, maintenant on va être confiant pour le bol d'or. Au niveau équipage, au niveau vitesse du bateau, on est confiant. Maintenant ça reste le bol d'or, il se passera plein de choses. Et en tout cas, on a hâte d'être samedi prochain au départ.